motherfucker. Are you ready? Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode des chroniques de Capi, encore en compagnie du Yop. Tout simplement pour vous montrer un petit spot XP que je viens de découvrir. Vous pouvez voir ici l'XP que j'ai gagné. Les combats ont duré moins d'une minute à chaque fois. Et c'est tout simplement ici dans les Landes de Silimot. Il y a plein de groupes 10 étoiles, comme vous pouvez voir là, 481 000 XP. En général, les tchals sont assez faciles parce que voilà, enfin, les combats durent pas très longtemps. Donc là, 2 pour le prix d'un. Voilà qui est fait. Et moi, je fonce comme ça, je réfléchis pas. Enfin, ça, c'est vraiment pas compliqué comme combat. Les monstres sont pas vraiment difficiles. En plus, pour moi, Ioptair qui a la possibilité de taper en zone, je gère assez facilement. On va encore une fois se décaler et faire deux épées de Yop. Voilà. On va aller par là pour essayer de se rapprocher des corbacs. Parce que normalement je devrais les tuer en un coup. Mais c'est pour pouvoir en tuer deux en fait. Parce que comme ils ont beaucoup de PM, c'est assez chiant à combattre. C'est un peu comme des tofu. Je vais faire comme... Ouais, on va faire comme ça. On va essayer de tuer lui. Il meurt pas, c'est pas grave. Et on va aller par là. Et on va se booster, comme ça on tuera les deux scorbuts au prochain tour. Et normalement les corbacs vont devoir se rapprocher. Donc si les corbacs sont mieux mis, je tue les corbacs. Mais sinon je tuerai les scorbuts. Voilà. Qu'est-ce que je disais. Donc, le corbac est bien mis. On va essayer de ne pas rater. Oh le con. Putain, j'ai fait une connerie. Je pensais pas qu'il me taclait en fait. Oh fais chier. Bon tant pis, on va faire un deuxième ou un troisième petit combat pour vous montrer. Bon là c'est pas vraiment un bon exemple parce que voilà c'est une grande map. Et les corbacs sont assez chiants en fait. Et donc voilà, sinon c'est vraiment un bon petit spot XP. En plus il y a les drops qui sont pas trop mal hein, puisqu'il y a pas mal de... Il y a pas beaucoup de gens qui viennent ici. C'est pour ça que c'est une zone avec beaucoup d'étoiles. C'est accessible à mon avis aux alentours du niveau 100. Voilà encore 400 et des 1000. Là j'ai fait. Alors, je vais aller par là parce que j'ai besoin d'aller découvrir la caverne des fungus. Voilà ici on arrive, des groupes 4 étoiles. On continue, j'ai vu beaucoup de gros groupes. Je me suis dit je vais les laisser pour la vidéo. Mais je sais plus exactement où ils sont. Voilà un groupe 10 étoiles encore. Attendez, avant, on va reprendre sa vie avant de démarrer. Il y a encore des corbacs. On va se mettre tout près des corbacs pour essayer de les éliminer le plus rapidement possible. Il est où le deuxième? Ah ben, il est là devant moi. Alors tout le temps le même sort. Ça va être tout le temps l'épée d'Iop, hein. C'est très simple. Là on va foncer. En fait ce qui prend le plus de temps c'est les monstres à jouer. En fait, le combat est vraiment pas long, mais c'est juste que les monstres sont vachement lents à jouer. Voilà, on se décale. Voilà, en plus je commence à gérer assez bien les PA de Yop et les raccourcis aussi, donc j'essaie de jouer de plus en plus vite. Voilà. Et encore un tour ou deux et ça devrait être bon. Voilà, allez encore un. Le mieux que j'ai fait c'est 600 000 XP en 18 secondes. Donc là 887 000 XP en moins d'une minute avec blindé de drop. Là il y a encore un croc blanc 10 étoiles.
Enfin, il y en a vraiment partout, quoi. Moi, à mon avis, je vais essayer de vider ma zone. Mais franchement, c'est vraiment un bon endroit où venir XP. En plus, c'est pas très dur, hein, comme combat. Voilà, que mystique, que des sorts, c'est encore plus facile. Voilà, j'aurais peut-être dû me décaler, j'aurais terminé. En plus, je trouve que cette zone est vachement belle. Alors, on va tuer le croc blanc. Le croc gland, pardon. La petite précipie. Un petit bond. Ah oh, merde, je sais pas la voir. Bon, je one shot. Voilà. Allez, encore 380 000 XP. Pardon, j'avais retiré le canal combat. C'est juste pour que j'ai fait un canal avec juste information pour voir toutes XP que je gagnais en fait. Donc là encore. La scorbut. Enfin, il y en a vraiment blindé. J'allais, je vais encore en faire un histoire de up avec vous. Et puis après, bah, je vous laisserai. Voilà, j'essaie de tuer les Korbak un maximum, j'ai réussi le tchal déjà. 45%, c'est pas c'est pas à cracher dessus. Hein. Faudrait qu'il reste ici. Non, il se casse bien sûr. On se met en tactique pour voir un peu mieux. J'espère que je vais l'avoir de aussi loin. Comme ça, je pourrais peut-être aller tuer l'autre. Voilà, normalement là je l'ai aussi, mais par contre j'ai pas le score but. Et voilà, combat qui est fait. Et en plus, je passe niveau 146. Donc voilà, cette petite vidéo va se clôturer ici. Donc je vous rappelle une dernière fois, l'endroit où je suis, ben, c'est ici. Hein. Regardez le point jaune où on est par rapport à la carte. C'est tout près de Brakmar, c'est les terres des sacrés. Donc il y a énormément de. Enfin, les maps sont vraiment hyper grandes. Il y a vraiment moyen de. D'XP bien. Moi je vais continuer à XP de mon côté. Et moi, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et à très bientôt. Allez, ciao ciao!